Bienvenue à tous pour ce nouveau match de Blood Bowl et c'est un match de championnat contre une équipe importante parce qu'en fait je pense que c'est celui qui va jouer le titre avec moi pour le championnat. Il y a de très grandes chances. Parce qu'on a aussi un Bafon qui fait de très très bons matchs et là je crois qu'il est du coup deuxième avec 7 points aussi. Mais le problème c'est que ça reste un Bafon, du coup il va peut-être avoir des matchs un peu plus compliqués, quoi. Alors que le Nécro va pouvoir en fait tenir, je pense, bien plus facilement derrière. Alors là, je vais pas tout de suite vous dire un peu le thème du match, mais je sais que là, j'avais enchaîné sur l'Open au moins 8 matchs, 8 victoires avec mes elfes noirs. Et là, en ce moment, c'est une catastrophe. Il m'arrive, en fait, je crois que je dois gagner un match sur deux, du coup. Parce qu'il m'arrive toujours des trucs incroyables, des doubles esquives qui ratent pratiquement 2-3 tours de suite, donc forcément c'est très compliqué, enfin bref. Ou même des skulls, hein, des skulls quand je tape, et du coup bah, ça consomme mes relances, et du coup, bah, vu que je joue avec peu de relances, bah, malheureusement ça cause des soucis. D'ailleurs, alors là, chose étrange, ouais, il me laisse du coup l'engagement, c'est vrai que ça me surprend sur le coup, mais peut-être qu'il veut, je pense, pouvoir me taper à son plein potentiel. Je sais pas trop ce qu'il a prévu. D'ailleurs, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais le minot, donc je l'ai bougé. Hein. J'ai bougé le minot. Parce qu'en fait, sinon, mon adversaire avait un sorcier. Et j'ai pas très envie de prendre un sorcier, hein. Surtout avec des nains. Ça peut vite être fatal en fait, parce que si par exemple je tiens le ballon, et c'est ce que je vais faire. Alors, ah, invasion de terrain. Ah! Ah voilà, bah c'est exactement ça que je voulais vous dire. Et oui, donc le thème de cette partie, ça va être le mental, d'avoir un mental solide quoi qu'il arrive. Et là, effectivement, c'est dur. Quand vous savez que vous faites un start aussi horrible, du coup, qu'est-ce que je disais? Oh là là, que des beaux 6, que des beaux 6, des 6 utilisés pour rien, c'est bien dommage. Quelle catastrophe. Ah, c'est du plus 5 pour les sorties de l'émeute? Ça doit être une règle que je ne connais pas. Je pense que c'est. Alors c'est fou ça. Je pense que ça doit être un rapport au fame et compagnie, non? Du coup, il a dû gagner, je pense, peut-être la popularité. Du coup, moi, lui, il était à 6+ et moi à 5+. Ah bah, c'était vraiment n'importe quoi. Vivement Blood Bowl 3. D'ailleurs, vous avez vu, en Blood Bowl 3. Ça y est, là, il y aura la bêta qui va sortir d'ici 2 jours. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est très important. Ça vous permettre de tester et de voir un peu. Donc là j'ai plein de choses à vous dire, mais du coup je me perds dans. On va quand même parler du match. Donc là le problème dans cette situation c'est que voilà, bah, c'est très dangereux et il faut du coup que je me conserve des joueurs. Là je prends un risque quand même de vouloir faire un bloc, mais je voulais vraiment le garder pour me mettre derrière parce que je vais en avoir besoin. Donc là pareil je le garde parce que j'ai peur en fait qu'il me contourne et derrière bah, j'ai personne en fait, j'ai personne pour pouvoir le récupérer. Ah, c'est dommage en plus, les seuls blocs que j'ai ne passent pas malheureusement et je rate en plus la réception. Bon, ça va, je crois qu'il est toujours pas à portée. Mais là, vous avez vu, j'ai mis ça ici exprès parce qu'en fait, j'avais peur qu'il me cible du coup un des deux joueurs et c'est ce qu'il va faire du coup. Donc là, ça va me permettre de le protéger un peu, mais voilà, hein, s'il y arrive, c'est GG et moi, je suis pas très bien. Par contre, je pensais à quelque chose maintenant que je suis à tête reposée. C'est vrai qu'avec tous mes joueurs à terre, est-ce qu'il aurait peut-être pas pu jouer mieux le coup là? Par exemple, il relève que ce zombie-là, celui-là il le met entre les deux. Et puis là, bah ouais, il tente ensuite un. Et je me serais retrouvé vraiment dans une situation très embêtante. Et là, ça va, il a pas, je pense, très très bien tenu mes joueurs, on dirait. Yes! Un peu de chance dans mon malheur là. C'est important. Franchement, ce bloc est important parce que là, s'il me blessait dès le début ce joueur-là. Bon, c'est rassurant. Maintenant, il faut en fait tenir. Hein. Là, vous êtes dans l'objectif de. Bah, il faut tempo. Hein. Il faut tempo pour essayer de récupérer le. Voilà, dans ce genre de moment, c'est compliqué. Hein. Là encore, ça va pour l'instant, mais. Donc là, oui, on va devoir relever certains joueurs et ça va. Je vais pouvoir aussi donner quelques blocs, on sait jamais. Hein. Ça pourrait être cool. Ce serait bien aussi que je récupère le ballon, j'espère. Parce que là, il va libérer du coup sa garde. Ça me plaît pas du tout. Alors on va essayer quand même de cibler un de ces loups-garous. C'est important si je pense en blesser un.
Malheureusement, non. De toute façon, il aurait repris une tannée derrière. Hein. Je l'aurais tapé avec lui. J'avoue que ça m'aurait peut-être même arrangé. Ouais. On essaie de faire ce qu'on peut. Ouais, là, je prends un petit risque parce que je fais un go for it, mais ouais, là, je suis tellement dans une mauvaise situation que je suis obligé de faire quelque chose. Voilà, après, j'ai pas trop peur parce que même s'il lui libère, ça reste quand même juste du 1D pour l'instant. Je crois qu'il pouvait peut-être aller me chercher, mais ah non, comme ça, j'ai des tacles retour. Donc là, bah ouais, pas grand chose à faire, du coup, bah, je décide de le protéger. Malheureusement, bah derrière, il se passe ce qui va se passer. Hein. Et donc, il libère son joueur, c'est très bien joué. Du coup, je me retrouve en fait avec deux nains bloqués juste pour un seul joueur, ça c'est vraiment une très très mauvaise idée, enfin c'est pas bon du tout, quoi. Là pareil, bloc, ah, vous avez vu pour une fois, les hobgoblins, je les protège toujours bien, mais là je ne peux rien faire. Ils vont devoir servir de sac de frappe, bien sûr l'armure passe et ça va, bon, ils se blessent pas. Du coup ça peut aller. Là on va avoir le droit, je crois, un joli. L'armure passe encore. Rappelez-vous, hein, on essaie d'être solide, hein, c'est pas évident, on essaie d'être solide mentalement. Oh là là, je prends une autre griffe dans la tête. J'espère que ça va pas trop piquer. Ça par contre c'est très bien joué, regardez. Le petit jeu de push-push là, je me fais bien avoir. Franchement c'est très bien joué. Excellent. Excellent, et moi je suis du coup pas du tout bien. Là heureusement que c'est pas la garde. Hein. Ça aurait été la garde, il aurait même plus me bloquer un dé. Ah oui, mais de toute façon, il a le bloc à 2D. Ah non, un dé. Oh, il va le tenter, hein, ça sera bien. Ah, là que faites-vous du coup? Il lui reste. Il a plus de relance, il a déjà relancé? Ah oui, il a déjà relancé et ça passe. Et c'est vrai que. Oh non! Crâne épée lui permet du coup de ne pas sortir. Aïe 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 aïe. Il vient de faire, mais. Là, les premiers tours sont monstrueux, hein. Monstrueux de sa part, je suis, mais. Dans une. On va le dire, je suis dans la merde. Je suis clairement dans la merde et là, je suis vraiment pas bien. Je suis en mode transpiration là, je. Regardez, j'ai des plein de nains à terre, j'ai. On va voir du coup comment on va essayer de gérer ça. Toujours pareil, il faut essayer de tempo. J'ai quand même des. Ben non, il me reste plus qu'un seul, mais. J'ai des 4 de force qui peuvent toujours faire la différence. C'est cool, je peux quand même me libérer un joueur. Du coup, bah on va faire un semblant de cage. Hein. Ah, dommage, il tombe pas, mais c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Donc je le mets là en même temps, c'est pour faire une cage et en même temps c'est aussi pour protéger le ballon au cas où si je me loupe. Parce qu'il y a quand même des chances que je me loupe. Let's go, allez! Oh non! Allez, allez, allez! Récupère le ballon! Yes! Le problème c'est que je suis obligé de faire un go for it, ça c'était très dangereux. Là, si je prenais un. Si le go for it raté, là je pense que je perdais le ballon parce qu'il m'aurait du coup blitz ce jour-là. Et. Avec une frénésie, j'aurais rien pu faire. Allez, let's go! Oh, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est important. En fait, si ça tient pas, il peut du coup très facilement taper avec lui et ensuite avoir un bloc sur mon. Oh, ça tient encore. Par contre, là, c'est cool pour lui. Il va pouvoir avoir un bloc ou pas? Là, par contre, ça fait plaisir là. J'ai beaucoup de chance sur ce tour-là. Allez, let's go. Yes. Oh le double A. Mais non. Ok, on vient de passer du coup de. Il a fait à peu près 3 tours insane et là il vient de passer. Et là il a fait totalement l'inverse, il vient de passer un tour catastrophique alors qu'il a fait 3 tours monstrueux. Ah, il a vraiment pas eu de chance là par contre. Ah, je pense que là c'est un tournant. Là c'est un tournant du match. Je vais pouvoir enfin du coup revenir dans la game. Là, je ne faisais que subir et essayer du coup de tempo autant que je pouvais. Let's go. Allez, on va essayer du coup de. En plus, avec les 3D, au pire des cas, ça aurait pas été grave. J'aurais. Comment ça s'appelle? J'avais un autre bloc pour pouvoir bouger le. Bon, ça m'aurait gêné. Hein. Ça m'aurait vraiment gêné s'il n'était pas tombé. Donc là, c'est cool. Toujours pareil, on essaie de viser le loup-garou, j'essaie vraiment de le blesser. Là j'hésite à venir, ça aurait pu être un très intéressant. Mais je préférais jouer safe et rester derrière. Parce qu'en même temps là c'est très très compliqué parce que la mêlée elle est vraiment pas bonne et. Voilà, j'essaie de libérer mes joueurs.
ça ne passe pas. Si je me dis c'est pas très grave, même si je fais un skull, c'est pas grave. J'en ai toujours un qui tient le... Alors vous avez vu, c'est des mêlées qui sont très très compliquées parce que regardez, c'est un cauchemar, hein. Franchement, pour faire des calculs et tout, c'est très très compliqué. Du coup, comme tout à l'heure, là, j'étais pas très certain d'avancer. Du coup, bah, je suis plutôt dans l'idée de rester safe, même si je pense que ça était, je pense, peut-être plus intéressant à voir. Bon, let's go. Malheureusement, ça garde qui fait le taf. J'avoue que j'aurais peut-être dû la mettre à droite, mais je crois que ce serait revenu même. Ouais, il aurait eu les 2D, mais bon. Ouh, belle esquive. Après, c'est du 4, c'est du 2 plus, ouais. Ça, c'est chiant, ça d'ailleurs. Et oui, vous avez 4 d'agi, mais en fait, il faut dire 2 plus. Heureusement que du coup, que Blood Bowl 3 va. Enfin, ils vont régler ça. Ouh, là, j'ai la chance. L'armure passe, mais pas. Regardez, encore une fois, il fait un très beau push-push, hein. Franchement. Je trouve qu'il a très très bien géré les push-push. Oui, parce qu'il sent. Il sent que je vais pouvoir sinon passer. Effectivement, j'aurais pu passer par le centre, il me semble. Ouais, ça m'arrange. Oh, ça m'arrange vraiment. C'était ce qu'il ratait. Parce qu'en fait, il m'aurait tenu le jour là. Et là, j'aurais été très embêté parce qu'il y avait. Bah, il y avait personne en fait pour aller le taquiner. Je m'en sors vraiment bien. C'est des détails, hein, franchement. Dans le Blood Bowl, c'est toujours comme ça. C'est des détails. Alors là, j'avance pareil. J'essaie quand même. Je prends des risques. J'essaie de cibler son. Il me le faut. Si j'arrive à blesser ce joueur-là, c'est GG, je pense. Ça passe pas. Là, encore une fois, j'ai un bloc dessus. Je prends des risques, hein, vraiment, mais j'essaie. Normalement, j'aurais dû faire un esquive, peut-être protéger mon joueur, mais là, je prends des risques. Je crois même que je vais le laisser, du coup. Là, pas très convaincu, mais je sais pas. J'ai voulu faire tomber le. En fait, ce qu'on peut, on fait une défense du pauvre, vraiment. Regardez ma situation. Oh yes, il est remort. Bon, ça question un des coups parce que en fait vous savez. D'ailleurs, non, ils ont pas de la domotique. Hein. Mais en fait, vous savez déjà que le joueur va ressusciter parce qu'il n'y a pas l'animation de blessure en fait. Ça c'est chiant ça. Et heureusement, d'ailleurs il était mort, ouais. Il était mort direct ça. Alors que c'est mon. En fait, c'est ma première. Mon première armure qui craque en l'espace de 5 tours. Et mon adversaire justement était aussi impressionné que moi. Il a fait waouh. Je fais ah oui, effectivement. En 5 tours, la première armure qui craque et c'est une mort directe. Ouais, voilà, il fallait que je le fasse. À un bout d'un moment, je pouvais pas rester sous comme ça. D'ailleurs, pourquoi avoir fait ça? Ah ouais, j'aurais dû plutôt l'esquiver vers le bas. Ah oui, non, parce que j'ai voulu ensuite, je pense, me mettre ici ou couvrir derrière, je crois. Mais effectivement, je pense que j'aurais dû plutôt me mettre ici, parce que là, ça évite du coup un contournement, ça jamais. Ah, je sais pas vous, mais. Je sais pas vous ce que vous aurez fait, mais. Je sais pas. Est-ce que c'était pas plutôt tentant quand même de tenter un bloc? Surtout que j'ai absolument aucune compétence. Donc ce joueur-là, je l'ai remplacé par le Minot. Et pour du coup, je l'ai appelé le manager du Minot. Je trouvais ça drôle. Le Minot était pas content. Du coup, il lui a dit, bah vas-y, joue à ma place. Et il se retrouve du coup en plein milieu. Et je pense peut-être qu'il aurait dû tenter, je pense, un bloc et un dé. Là, il l'avait. Il devait juste faire un go for it. 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà. Peut-être que ça aurait été mieux. Mais là, on voit, hein, je suis bien groupé. C'est vraiment ce qu'on veut. Avec toutes les gardes du coup ensemble, c'est parfait pour moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a commencé à se remettre un peu en défense, parce qu'il a bien vu qu'il perdait en fait le contrôle de la bagarre. Et que malheureusement, bah. Ça, pardon, ça m'arrange pas du tout. Mais c'est pas si grave en fait. Je me demande, est-ce que ça aurait été plus dangereux peut-être ici? Surtout que là, il est en mode défense. Donc je pense qu'il a peut-être dû le remettre ici, parce qu'en fait, j'ai en fait des lutteurs à côté. Donc moi, là, je ne crains rien du tout. Oh là là, et en plus, le bloc, il y a un équipe qui ne passe pas. Ça, c'est fatal par contre là. Ça me laisse du coup une grosse ouverture. Et tant mieux parce que là, je commence à plus avoir beaucoup de tours pour marquer. Bon, de toute façon, j'aurais pris le risque. Hein. J'aurais pris le risque de me mettre à portée. Mais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti par la droite. Alors qu'en fait, il y a un trou. Là, ici, il y a un trou que j'ai pas vu. Il y a un trou. Attends, je sais pas si on peut le voir. Non, bon, non, faut pas les zones de tâche. Je sais plus comment on fait pour voir les zones de tâche. Bon. Mais j'aurais dû le faire, ouais. Et encore une fois, j'ai la chance, c'est bon. Je libère le joueur, enfin, pas tout ce que j'ai besoin, c'était de le. Oh, regarde, yeah, cette fois-ci, il est. Cette fois-ci, c'est. En plus, il perd un point de mouvement. On prend. Ah, ça y est, ça y est. Et heureux. Donc du coup qu'est-ce qu'on disait? Oui on prend parce que en fait c'est intéressant, il va, je crois. Est-ce qu'il rate le prochain match? Je crois que si. Ouais voilà. Du coup il rate le prochain match et c'est intéressant vu que c'est un concurrent direct. Du coup bah.
je me rends compte que non, ça va pas du tout mon histoire. Ah, c'est dangereux quand même, hein. Faire des gaufres un peu pour rien du coup. C'est chaud. Et là, pareil, je me mets en fait à porter. Parce qu'en fait, il me reste du coup une relance. Je dis, bon, bah, autant essayer de maintenant. En fait, je me mettais à porter parce que sinon, j'aurais dû faire encore plein de gaufres derrière. Et je préfère faire ça comme ça. Oui, je l'ai déplacé parce que sinon, il m'aurait sorti en fait. Il serait venu me sortir avec un loup-garou. Regardez, c'est parfait là du coup. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. En plus, ça tient. Ah, c'est vrai que c'est vraiment très étrange cette première mi-temps. Parce que autant je trouve qu'il a eu. Franchement, il a fait les 4 premiers tours insane et ensuite il y a eu un tour où il a fait que des push-push et à partir de là. Ouais, dommage pour lui. Ah oui, alors là, ouais, franchement, j'ai beaucoup hésité. Et je prends pas lutte. Je prends pas lutte. Je prends lutte justement. Et quelle erreur, regardez du coup. Oh là 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 là. D'après, j'avoue, je pensais pas à ça, mais il réussit du coup. Deux esquives insane. Enfin, insane, ça va, c'est pas non plus. Très mal joué de ma part, mais j'avais tellement peur de. D'un côté, regardez. En se disant que. Donc, attendez, tac. En se disant que les prochains jets auraient été donc les jets d'armure. 6, 7, 8, 9, ouais, ça serait passé. Après, je sais pas si c'est d'abord moi ou d'abord lui. Bon, ouais, puis en plus, derrière, il y a encore un 6, donc je pense que. Ça se trouve, j'ai peut-être bien fait, hein. Je sais pas du tout, mais ça se trouve, mon joueur serait blessé sur cette action. Mais là, c'est vrai que je suis dans une situation très embêtante parce que. Bah, en fait, j'ai beaucoup de joueurs collés, alors que j'aurais eu en fait là un but facile parce que j'aurais pu mettre une cage tranquillement. Mais là, malheureusement, je ne peux plus. Bon, du coup, normal, on essaie toujours de cibler le 4. Le 4 d'agi. Et du coup, bah, on va faire une cage pour aller marquer. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi je le mets, à la place de mettre, je sais pas, j'aurais peut-être dû le mettre là. Ouais, là pareil, je sais pas pourquoi, j'aurais dû faire plutôt l'inverse, j'ai tellement peur de la stabilité, j'aurais dû faire l'inverse, comme ça m'aurait permis de libérer en fait mon hobgoblin, et j'aurais pu du coup venir facilement là. Là en fait je suis obligé de faire des gopherites, ça me plaît pas du tout. Là en fait pareil, c'est pas très utile parce qu'en fait je croyais avoir, et j'ai pas de garde en fait, du coup ça revient au même. Du coup, il relève ce joueur-là et ensuite il peut me mettre un joueur là, taper là. Enfin bref, il y a des choses à faire. Voilà. Et derrière, qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, et derrière, je mets en fait la garde ici pour taper les deux. Qui est pareil. Franchement, autant je trouve que j'ai bien joué sur le. J'ai fait ce qu'il fallait, mais par contre là, j'ai complètement mal joué. J'aurais dû tout simplement mettre un joueur ici en fait. Même là, ouais. Même ici, parce que là en fait je trouve qu'il y a un danger, il va faire une esquive, c'est sûr et certain, et le taper. Alors il a plus de relance, c'est vrai. Il a plus de relance, mais franchement ça se fait. Et de toute façon là il a plus rien à perdre. Il n'y a que moi qui a des choses à perdre là sur ce coup-là. Donc bon, pareil, il est hors de portée, ça aussi c'est bien. Voilà, et du coup bah forcément, regardez, il le fait. Normal. La base. Ah, c'est vraiment très mal joué de ma part. Hein. Ah, voilà. C'est chaud. Oh! Oh, cette chance légendaire là, franchement, les gars. Vraiment très étrange cette première mi-temps, mais vraiment. Ouh. En parlant de chance, mais bon. J'ai bien fait de pas tenter tout de suite une esquive, hein, sinon. Non, là, on essaye en fait. On essaye de trouver une solution parce qu'on peut en fait pousser ces deux joueurs là. Donc, on essaie de trouver une solution. Malheureusement, là, ça marche pas. J'aurais pu faire en fait le mettre ici et faire un push-push, tac-tac. Et ça aurait bien fonctionné. Mais là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas grave, j'ai un autre plan. On peut encore le faire. Donc, on va mettre le centaure ici. Et taper. Plac, comme ça. Il faut juste qu'il tombe. Je tacle. Donc, il y a quand même une chance que ça tombe. Et. Non, ça ne tombe pas. Ah, c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mon adversaire là. Là, je lui écris, je lui dis. En clair que là, c'est du 3 plus 1. Hein, et que je pense que la saison va peut-être se jouer sur ça. Hein. Ce but est vraiment. Oh, ça passe. Franchement, ce but il était vraiment chaud. Là, je pouvais autant. Franchement, je pouvais autant prendre un turnover et. Ah, ça fait vraiment plaisir parce que là, avec tous les mauvais matchs que je fais avec mes elfes noirs, ça fait quand même plaisir. Là, j'étais donc solide. J'étais solide mentalement parce que c'est vrai que j'aurais pu craquer. Hein. Franchement, avec les premiers tours catastrophiques entre l'émeute et ensuite, il y a le tour, je crois, d'après, je me fais blitzer, je crois, mon porteur. En plus, mon porteur donc tombe dans les vapes et je perds aussi deux autres joueurs qui tombent dans les vapes.
Franchement, vraiment la survie. C'était vraiment la survie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour pas me prendre de TD. Et là, miss kick de mon adversaire. Sinon, je sais qu'il l'aurait tenté. Hein. Je l'ai vu sur les. Il aurait tenté le one turn et je sais qu'il l'aurait fait parce que je l'ai vu sur ses autres matchs. Donc là, en fait, il est apparemment en caméra libre. Il voulait se remettre et sauf qu'il a appuyé apparemment sur fin de tour. Alors, je sais plus trop c'est quoi l'histoire. Il a fait un mauvais truc. Donc là, rien d'intéressant, me semble. Ah, si, juste ça. Il a raison. Hein. Franchement, pour revenir dans le match, là, il faut qu'il fasse quelque chose. Et ça marche. Sauf que l'arbitre a tout vu. Carton rouge. Alors ça c'est pareil, hein, ça m'arrange vraiment. Heureusement qu'il sort parce que là, en fait on serait revenus tous les deux à la même, comment ça s'appelle, au même nombre de joueurs en fait. Et ça aurait été un petit peu plus différent. Mais ça reste quand même, je pense que ça reste rentable. Parce que le nain vaut 90 avec sa garde, et ouais, je pense que c'est quand même bien. Bon bah voilà, deuxième mi-temps. Cette fois-ci, je dois donc. Et oui, le manager du Mito qui est devant, il veut montrer à son Mino que oui, on peut assurer aussi. C'est pas parce que qu'on a des petits bras. Alors regardez, il fait mettre de la provocation. Je sais pas si vous venez de voir, il a provoqué ses adversaires. Ah oui, il est vraiment chaud. Voilà, frappe précise quand même, ça fait le taf, hein, vraiment. Surtout que c'est très intéressant quand vous avez des. Quand vous êtes nain du chaos, parce qu'en fait, après esquive en force, du coup, vous pouvez donc très facilement contourner et aller embêter l'adversaire. Parce que là, du coup, il va devoir, entre guillemets, séparer son équipe un peu en deux. Bon, même si ça va, il a une équipe assez rapide, mais voilà. Bon, on voit que ça débute bien. Des petits poussés. Encore un petit poussé. Ah! C'est vrai qu'après je suis pas forcément fan de ce qu'il a fait. Au pire des cas, est-ce qu'il aurait peut-être pas dû mettre plutôt le. Je sais pas. Je sais pas trop, mais c'est vrai que j'avoue, je suis pas 100% fan de ce qui s'est passé. Après j'ai eu la chance encore une fois, là franchement, il a fait beaucoup de poussées par contre. C'est étrange, hein, mais vraiment, hein, on dirait que sa chance des 4 premiers tours a été totalement inversée. Neufel, je pense qu'elle l'a mal pris. Je pense que Neufel l'a mal pris, qu'il n'a pas su utiliser toute cette chance. Et derrière, bah, il s'est fait punir. La base. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah là, dans ce cas-là, faut apporter un peu de danger tout en restant très défensif. Hein. De toute façon, on a un joueur en plus, donc. Donc là, il faut juste. À la longue, ça devrait passer, quoi. En plus, franchement, avec les gardes, c'est vraiment merveilleux. Hein. Quand vous avez beaucoup de gardes, en fait. En fait, vos 3 de force du coup deviennent des 4, voire même des fois des 5 de force, juste grâce au regard. Et regardez, on peut taper en plus dans des situations. Alors, oui. Oh yes! Oh, le loup-garou qui. Ah là, par contre, c'est un coup dur. Ah, ça, c'est. J'avoue, là, il a vraiment pas de chance parce que il arrive. Non, il pousse, il arrive pas de quoi taper et derrière, je le mets KO. Bon, là, je pense que c'est le GG là. Ça va être quand même très compliqué. Il faut juste que. En fait, c'est. Quand vous êtes en train de dominer un match, attention ensuite à ne pas. À pas greedy, on va dire, entre guillemets. Parce que là, vous pourrez vous dire, bah, c'est bon, là, c'est bon, c'est gagné et tout, hop, et vas-y, que j'envoie tout le monde. Sauf que, hop, il vous fait un petit truc et hop, il vous prend de vitesse. Il faut que je fasse gaffe à ça. J'ai pas non plus beaucoup, beaucoup de vitesse. Oh. Ah bah oui, il a que 3 de mouvement. Oh non, il s'est fait avoir. Oh, mais non. C'est pas possible. Oh là là, coup dur, coup dur, coup dur pour mon adversaire. Ah là 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 là. Ah, c'est pas chance, je sais pas s'il l'a vu ou pas. Peut-être pas, hein. C'est vrai que on peut oublier qu'on a un point de mouvement en moins. Et là, du coup, il s'est fait avoir. En même temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, il est vraiment bien tenu. Là, maintenant, j'ai plus qu'à bien gérer tranquillement. Faut que je fasse gaffe. Faut être prudent. On essaie bien sûr de se faire ce joueur-là. Là, si lui tombe, là par contre, c'est fini. Hein. Je pense que. Bon, de toute façon, il est. En plus, il est bloqué là. Il a pas d'esquive et. Ah, c'est chiant. Hein. C'est vraiment ça en fait le problème, je pense, de Blood Bowl. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu. Mais c'est vrai que si je peux bien peut-être lui reprocher un petit défaut, c'est juste que. Bon, après, ça fait partie du jeu, hein, les blessures et tout.
Puis là, c'est vrai, il n'a pas encore trop. Mais je trouve que l'attrition est vraiment un problème parce que du coup, bah. Enfin, pour expliquer le fond de ma pensée, pour moi, les plus beaux matchs, c'est ceux où il y a vraiment le moins de blessures et le moins de chaos possible. Ça, c'est le plus beau match de Blood Bowl pour moi. Parce que du coup, c'est très tactique, on doit bien faire attention, etc. Alors que là, bah, regardez, il est donc à moins 2 et regardez, il peut plus rien faire. Hein. Il est totalement dominé. Là, il a plus qu'à tenter des trucs un peu risqués. Il a raison, il n'y a pas grand-chose à faire. Oh, mais non. Oh, le jeu peut pas. Et vous savez, ce qui est horrible, c'est ça en fait. C'est ce qu'ils vont forcer. Je comprends que ça a été nerf. Dans Blood Bowl 3, ça va être nerf sur les centaures. Et effectivement, hein, je pense aussi que c'était un petit peu trop fort. Parce que regardez, je peux. En fait, je fais ce que je veux. Hein. Là, la bombe collée à un joueur, sauf que derrière, je vais pouvoir esquiver et tout. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Je crois même que là, il peut même pas taper, je crois. Regardez, il avait. Ouais. Alors là, je réfléchissais. Parce que je vois bien quand même qu'il peut partir, et c'est pour ça que j'ai mis ce joueur-là au cas où, en derrière, pour faire attention. Et je pensais donc à quelque chose, c'est que je me dis, ben, c'est vrai que là je pourrais tout de suite, tu vois, en fait, là je pourrais tout de suite tenter quelque chose, faire une esquive en force, aller directement taper le joueur, ou même venir. Mais je crois que je suis un des, je crois que je suis un des de le faire. Je crois que j'ai un go for it à faire. Et là je me dis, non, il faut que tu joues safe, parce que je le sens pas, il faut jouer safe. Et vraiment, vraiment, à ce moment-là, je l'ai senti et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Hop, encore une régénération. Hop là. Alors, on va pas se mentir, hein, ça aurait été de toute façon quand même compliqué pour mon adversaire. Mais, oh, ça sort. L'armure qui passe, là, non, mais là, ça va être chaud là. Regardez, je me permets même de mettre un joueur pour les taper. Ouais, là, faut que je me libère, il faut que je fasse revenir mon centaure. Alors, de toute façon, ça aurait été quand même compliqué, mais il aurait pu du coup faire une belle avancée, on sait jamais, hein, sur un malentendu, j'arrive pas à le faire tomber le joueur. Ça aurait été bête de prendre un but. Du coup, bah, j'ai bien joué de jouer safe, hein, c'est vraiment important. Là, je fais beaucoup de pots par contre, hein, j'ai vraiment de la chance. D'ailleurs, c'est ce qu'il va me dire comme. Mon adversaire, pas là, mais il me dira, t'en fais beaucoup quand même. En clair que tacle c'est surfait, et il a raison. Enfin, que le bludge c'est surfait. Ouais, je pense qu'il a raison. Alors là, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai peur qu'il me fasse une avancée avec ce joueur-là. Et je crois, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, et ouais, il peut du coup après, je sais pas, taper. J'ai peur après qu'il me colle du coup ce joueur-là et que je ne puisse plus en fait revenir, et là, j'aurais un peu honte. Là, on va essayer de sécuriser. Hein. Là, c'est très bien. Parce qu'en fait, il aurait pu bloquer juste à un dé et partir. Et il l'aurait fait. Hein. Ça aurait été très très simple. Et pourquoi d'ailleurs ce jour-là? C'est vrai, c'est marrant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que ça revient au même de toute façon. Ah oui, du coup, il se bloque. Ah, c'est dommage. Coup dur, coup dur, coup dur pour le joueur. Ah, en fait, il aurait pu le pousser sur le côté, petite erreur. Et du coup, là, ouais. Bon, après, faut comprendre, je comprends son match. En fait, son match est horrible parce qu'il passe d'une première mi-temps, les 4 premiers tours, incroyable, vraiment, la mi-temps que tout le monde veut. Et malheureusement, ensuite, c'est une catastrophe, quoi. Donc, je comprends qu'en même temps, c'est dur, le match est dur quand même. Après, il me dira que oh, les Bludgers, ça ne sert à rien. Il récupère le ballon. Du coup, bah, il faut que je retape. Voilà, encore une fois, les bludges, ça sert à rien. Tac aussi. On peut annuler tout ça sert à rien. Et hop là, le ballon n'est pas encore tombé depuis tout à l'heure. Le ballon est resté au sol. Regardez, et je me permets même quelque chose. C'est dangereux, franchement, c'est vraiment dangereux ce que je vais faire. Mais en fait, bah, je me dis, bah. Autant faire évoluer ce joueur-là, écoute, il est donc à 2 points d'évoluer. Ce serait bien, franchement, je lui mettrais peut-être blocage ou peut-être lutte. C'est vrai que j'aime beaucoup les lutteurs, mais j'en ai déjà beaucoup, donc à voir. Eux, ça va, ça passe en plus, ça passe très très bien. Parce que le manager du Minot, dans le passant, je vais m'en servir juste pour le. Oh, dommage, c'est pas grave.
Ouais, là pareil, je bloque, parce qu'au cas où, parce que là, il risque du coup de venir me taper le ballon, et ensuite il pourrait partir et prendre le ballon, je serais embêté. Surtout que je crois que j'aurais peut-être pas de tacle rapporté, ah si lui, mais... Ah si, il a encore une relance, ça c'est bien par contre pour lui. C'est ça, en fait, il peut tenter du coup des choses. Let's go. Ah, c'est pas mal. Ah, ça m'embête. J'espère qu'il va pas le blesser. Ouh. L'armure tient, et malheureusement, il l'est pas porté. Oh! Oh, par contre, ça c'est vraiment pas de chance. Oh, c'est pas de chance comme il vient de faire un doublé encore. C'est pas son match. Enfin, ce n'est plus son match plutôt. Parce que ça l'a été pendant les premiers tours, il a été incroyable, mais là, non, ce n'est plus. Pareil, hein, j'aimerais bien aussi faire évoluer ce joueur-là. Bon, là, on va jouer safe. Regardez, les lutteurs, c'est formidable, les lutteurs. Vraiment, c'est. Quel plaisir! Mais vraiment, hein, je vous conseille vraiment dans vos équipes d'avoir un ou deux lutteurs, c'est. En fait, il y a tellement de joueurs qui ont du coup blocage, et bah du coup d'avoir des lutteurs, ça permet. En plus, pour le prix, il coûte 60 mon joueur, hein, alors que là le sien doit coûter à peu près dans les. Alors je sais plus combien ça coûte un revenant de base. Yes, ça passe tranquille. Et on va marquer, on se prend pas la tête. Il est. D'ailleurs j'aime beaucoup, il est vachement stylé avec ça. Avec sa peinture sur le centre. Oui, du coup que je disais oui, la différence de TV en plus c'est cool quoi. Ça me permet du coup de faire tomber moi j'ai donc 60K et je fais tomber du coup un joueur qui doit, je crois, représenter peut-être 110, je sais plus combien. Je crois que les revenants sont à 90 de base, je crois. Ça doit être ça me semble. Mais ça va, je trouve quand même que les Nécromantiques sont quand même une bonne équipe, hein. Franchement, au niveau des tiers 2, c'est vraiment, je pense, une des meilleures équipes de tiers 2. Elle est vraiment très bonne. Surtout qu'en fait, avec les griffes châtaignes, ils peuvent en fait comment dire, jouer les durs avec des équipes de bâche en fait. Et ça, c'est très très intéressant. Ils peuvent vraiment les affronter tranquillement. Ouais. Ils font peur, hein. Franchement, ils font peur avec les deux griffes. Surtout que ça, il a 4 d'avis, du coup, en fait, ça lui permet du coup d'attaquer très facilement et de repartir en fait sans être exposé, même si sa frénésie l'a emporté vers un autre joueur adverse. Il peut quand même. Donc là, il n'a pas de chance. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai fait exprès. Je crois que si, normalement. Je crois que de base, j'avais même pas vu en fait. C'est juste que j'ai vu qu'il y avait juste un joueur là. Du coup, j'ai ciblé. J'avais pas fait gaffe qu'il allait vraiment m'attaquer. Comme quoi. Parce qu'on ferait. Enfin, ouais, on discutait beaucoup aussi. On discutait beaucoup du coup avec mon adversaire. Donc là, bah du coup, bah normal. Il faut le mettre dans le contresens de là que ça va attaquer. Ou du là où il y a le moins de joueurs. Et là, c'est ce que j'ai fait. Oh là 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 là. C'est ceci qui est horrible, hein. C'est que du coup moins vous tapez et moins vous avez de chances du coup de faire tomber des joueurs. Ça c'est vraiment embêtant. Là il a raison, il met une pression du coup, il veut marquer assez rapidement pour essayer d'avoir le match nul. Il a raison, il doit tenter quelque chose. De toute façon il a perdu donc. Enfin, sinon il a perdu. Ah là, le 4+. Ça va être compliqué quand même, mais non. Bleu. J'adore. Très très beau lancer. D'ailleurs, là, on a pu voir des nouvelles vidéos de Blood Bowl 3, je sais pas. Ça m'inquiète un petit peu au niveau du lancer. On en a vu un qui était bien fait, mais les autres, je sais pas. C'était étrange. Le ballon, je sais pas, allait directement, je pense que bon, c'est juste un. Peut-être que c'est pas encore fait, c'est peut-être pour ça, mais je sais pas. C'était un peu bizarre. Et du coup, ouais, il a plus de relance maintenant. Ça va être compliqué là, pareil. J'ai plus qu'à jouer safe. Enfin, non, enfin, safe, non. Pas forcément. On n'est pas obligé. Regardez. Regardez le luxe que c'est quoi. Je vise même pas avec le nain, j'ai pas besoin. Je garde mes lutteurs en fait. Et du coup, je garde mes nains pour l'affrontement et les autres pour couper les joueurs qui. De toute façon, il a pas esquivé donc ça revient strictement au même. Hein. Et du coup, je garde du coup le nain pour derrière au cas où. On sait jamais, il faut être prudent. C'est toujours ça de toute façon. Si vous savez pas quoi faire d'un joueur, mettez-le en défense. Ça sera toujours rentable, alors que si, des fois si vous mettez trop loin en attaque, des fois il va se faire emporter bêtement. Ouais. Et ça sert à rien. Bon, ça c'est bien. Ah. Bon, bah, ok. Bon, bah, c'est GG. Non, là, il a clairement plus aucune chance maintenant. Ah, franchement, le score ne reflète pas du tout, je trouve quand même l'aspect du match. Ouais. Après...
passe. Au fait, qu'est-ce que je recommence. Ce que je voulais dire. En même temps, c'est le matin. C'est le matin, je sens que je suis pas encore très bien réveillé. C'est le matin pour moi. Ça, c'est bien joué. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Non! L'esquive qui rate! Oh, mais non, c'est pas possible. Il se blesse. Rate le prochain match. Et heureusement qu'il se régénère. Hein. Oh, son prochain match aurait été horrible, ça. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait à peine que 90K de différence entre son équipe et la mienne. J'ai fait exprès, du coup, bah, comme j'ai vendu le Minotaur et tout. Donc, il avait juste donc 90K de plus. Donc, il a pris deux Blood Bowls parce qu'il savait que le match allait être compliqué. Mais je trouve que pourtant, au niveau des forces, on voit clairement que c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est-à-dire que les nains, c'est quand même. Parce qu'en fait, les nains, vous leur mettez directement de garde et derrière, bah ouais, c'est très fort quoi. C'est très très fort. En plus, il y a même les hobgoblins pour 40. Regardez, franchement, ils sont vachement bons. Hein. 6 de mouvement, 7 d'armure. Franchement, ils sont prêts. Hein. Et 3 d'agi surtout. Parce que c'est vrai que les bretonniens, ils ont un peu la même chose. Mais sauf qu'ils ont que 2 d'agi, ça change tout. Ouais. C'est vrai, d'ailleurs, les bretonniens, leurs joueurs sont vraiment nuls. Hein. Quand on compare avec les hobgoblins, pardon, très très fort. Regardez, on fait pas de go for it, hein. J'aurais pu très facilement en faire pour coller les joueurs et tout, et ça aurait été très intéressant. Mais il me reste qu'une seule relance, et du coup, bah d'ailleurs, je regardais, j'ai bien fait, parce que j'aurais fait un skull, enfin, oui, je suis toujours dans l'idée qu'un skull représente un 1, mais ouais, du coup, bah, ça serait passé. Oh, regardez, 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 ça passe toujours, hein, il n'y a pas besoin de tacle, c'est surfait. Oh, là, il est très très embêté, le. Franchement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Franchement, il n'y a pas moyen quand même de faire un. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ah, il va peut-être bloquer avec lui. Franchement, je crois que j'aurais fait un gros blitz dans sa tête. Et puis ensuite, je serais parti. En espérant bien sûr qu'il bouge. Hein. Et je serais parti du coup à droite et espérer quelque chose de toute façon là. Ouf! Aïe, aïe, aïe. Oh, ça ne passe pas. Après, ce qui compte hein, quand vous faites un mauvais match, hein, c'est aussi qu'il n'y ait pas de bobo. Hein. C'est aussi ce qui compte après derrière. Tant qu'il n'y a pas trop de blessures et tout, c'est pas si grave, tant pis. Un mauvais match arrive, surtout en championnat, ça arrive. Hein. Franchement, même là, on va le tenter, on va le tenter. Attendez, on va regarder ça. Oh, dommage. Bon, ça va être un peu mort, je pense. Oh, ça marche. Peut-être que. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, ça fonctionne. Mon Dieu, le 3-0. Incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'étais en train de parler d'un truc. Ouais, donc je parlais quoi? À rapport au bobo, que c'est pas très grave. Ah oui, quand même le championnat, du coup, c'est pas très grave si vous en ratez un, ça va arriver. Là, on regarde là aujourd'hui. Franchement, j'aurais pu vraiment rater ce match-là. Hein. On a vu par exemple des armures qui sont passées assez facilement. Je crois que c'était dès le tour 2, je crois. Où je me suis retrouvé avec trois joueurs qui l'armure passe. Franchement, si l'armure passe avec par exemple une blessure, par exemple le nain et mon centaure, c'est plus le même match vraiment. C'est moi qui perds. Je pense que je perds le match sur ça si se blesse. Hein. C'est pour ça du coup là ça reflète pas du tout la dynamique du match. Hein. Parce quand on refait le match avec deux blessures dès le début, bah, je pense qu'il gagne 1-0 quoi. Voire peut-être 2. Voire peut-être même deux, selon. Après, ça dépend après comment ces armures ont retenu. Bon, on va regarder du coup au niveau des jets de blocage. Ouais, bah du coup, j'ai beaucoup plus tapé, forcément. Il a aussi pas mal tapé, regardez. Ouais. Ouais, il a vrai. Oh, ça va dans ses styles, ça. Quand vous avez ça, vous êtes vraiment content. Quand il y a autant d'XP, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 d'XP, c'est incroyable, c'est juste merveilleux. Mettre le paquet, alors là les mettre le paquet c'est surtout sur. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. C'est surtout sur comment ça s'appelle, les petits centaures, c'est eux qui les font. Hein. J'en fais beaucoup du coup avec eux, ce qu'on peut se permettre avec équilibre, vraiment ça fait vraiment le taf. Hein. C'est vrai que les armures, bah, c'est pas mal, mais en même temps c'est ça. Hein. À part pour la griffe qui générait du vide plus, mais sinon en général c'est ça, les armures c'est ça. Et effectivement, j'ai fait qu'un seul échec. Qu'un seul échec et c'était quoi? C'était un. Ah oui, c'est mon nain qui s'est blessé.
en a un qui s'est blessé. Sinon, ouais, franchement, je pense que les joueurs ont très très bien joué. Pareil, regardez aussi, hein, sur les blocs, hein, j'ai eu 31 pots. C'est incroyable. Hein. Faut mieux avoir ça là que ça ici. Ça change tout. Franchement, c'est excellent. On va regarder du coup mon adversaire un peu. Est-ce qu'on peut le plaindre? Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça quand même, parce qu'il est quand même à 20% et que j'avais quand même des châtaignes. Et franchement, il a quand même eu de la chance. Hein. Ça aurait pu être pire au niveau des armures. Mettre le paquet. Ouais. Ah, allez, par contre, les esquives, il n'a pas été très chanceux. Même si. Ouais, non, je pense qu'il est un petit peu en dessous quand même de la chance. Du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? Ah, mais du coup, on va regarder. On va regarder le classement, regardez, hein. Du coup c'est tranquille. Là je suis à 12 points et derrière ils n'ont pas encore fait leur match. Là il y a Fungus, donc j'ai joué contre lui. Il y a Fungus là qui doit faire son match. Je sais pas trop ce que ça va donner, parce que c'est un joueur très, très surprenant le Bafon, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va regarder du coup l'équipe, comment elle a bien évolué. Du coup j'ai bien fait de vendre, parce que sinon là en clair je serais à 1700 de TV et c'était beaucoup trop haut, surtout pour cette équipe là. Et ensuite je vais affronter l'équipe donc justement de Fungus Invasion de Morrigan. Et effectivement, en fait, regardez un peu la compo, mais un Minotaur va me servir à rien du tout, parce qu'au pire des cas le troll de Malpierre il a pas griffe, et au pire des donc du coup je m'en fiche. Et du coup c'est vrai d'ailleurs, il y aurait peut-être dû prendre griffe, ça aurait été peut-être un peu plus. Après il a peut-être rencontré, ça se trouve, des elfes dans la saison d'avant, c'est peut-être pour ça qu'il a dû prendre tentacule, et c'est vrai que c'est mieux, hein. C'est mieux s'il y a beaucoup de joueurs. Enfin bref. Et du coup, ce qui est bien, c'est que là, je pourrais lui mettre un nain. Je lui mettrai un nain pour le coller, sinon, c'est pas très grave. Et du coup, le minou va rien me servir du tout. Ouais, regardez, du coup, j'ai pu évoluer. Alors franchement, j'ai hésité. Je pense que j'ai pris des stabilités. J'avoue que je suis pas non plus super convaincu, mais je voulais avoir juste quelques joueurs solides pour maintenir des positions. J'ai même pris un châtaigne écrasement, regardez, avec un nain. Ça, si c'est pas beau. Et en fait, comme j'avais déjà deux châtaignes, je me suis dit, bon, je préférais peut-être plus de solidité. Alors j'avoue que c'est. Voilà, après, ça se discute, hein, franchement, c'est pas. Mais regardez, hein, le hobgoblin, le fameux petit hobgoblin que j'ai fait évoluer. Et regardez, oh là 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 là, catastrophe, il a eu donc le. Catastrophe, il a eu donc le puissant en force, du coup j'ai dû accepter, on peut pas refuser en fait les cadeaux de Neufel. J'avoue que ça m'arrangeait pas du tout, parce que ça faisait que augmenter ma TV pour rien en fait. Ça m'arrange pas du tout, mais vous pouvez pas refuser ce genre de cadeau malheureusement. Hein. Parce que là moi je suis pas très content, hein. Du coup je prends combien hein? Quoique, est-ce que c'est si grave? Regardez, donc c'est-à-dire que j'aurais été à 80 avec une compétence normale, et là je passe à 110. Non, franchement. Je compte, je pareil, ça aussi. Je suis content aussi que dans Blood Bowl 3, ils vont aussi changer ça, parce qu'en fait, maintenant, le puissant en force coûte 80, alors qu'avant, ça coûtait que 50. Ça veut dire que comparé à une compétence de base, où vous avez. Comment dire, ça coûtait que 30 de plus. Que 30 de plus. Alors, je sais pas si vous avez peut-être perdu avec tous les chiffres, mais. Et du coup, pour 30 de plus, franchement, non, ça vaut clairement le coup d'avoir un 4 de force. Après, c'est un set d'armure, donc ça te plaît pas trop. Mais non, c'est vraiment insane. Je suis content du coup qu'ils ont entre guillemets nerfé l'évolution de la force. Parce que dans une équipe, c'était vraiment très 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 fort. Vous imaginez par exemple un nain avec 4 de force. Non, le pire, c'est les centaures. Vous imaginez un centaure avec 5 de force. Non, là, ça devient insane. Hein. C'est vraiment très très fort. Hein. Non, je suis content qu'ils ont nerfé ça. Voilà, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire d'autre. Si, il y avait juste un rapport aussi à Blood Bowl 3, c'était assez intéressant. Je voulais peut-être en faire une vidéo et tout, mais. Oh, je sais pas, parce qu'en même temps, il n'y a pas non plus très grand chose à dire. Hein. Surtout qu'il y a bientôt la bêta qui va arriver. Attendez, je sais ce qu'on va faire. Et je vais vous mettre mon écran d'ordinateur. Du coup, on va parler un petit peu de ça. Comment faire? Capture du jeu, capture d'écran. Je crois que ça va être ça. Hop là, non, c'est pas ça. Ouais, je suis pas encore très à l'aise avec tout ça. Capture d'écran. Ah si, c'est ça. C'est ça, c'est juste parce que là, on voit mon fond d'écran, c'est normal. Ouais, c'est bon. Ok. Donc vous avez vu, là du coup, sur PC Gamer, en fait, il y a eu donc une. Comment ça s'appelle? Il y a eu du coup une nouvelle info qui est passée. Alors, je sais plus trop ce qu'ils disaient en anglais. Alors j'avoue, je ne parle pas trop, non plus trop anglais. Mais bon, on va surtout regarder les images. Hein, quand on ne sait pas lire, on regarde les images. On peut voir du coup déjà un Nef le Pro. Hein. Par contre, attends, j'avoue, je suis pas trop fan de tout ce qui est trop sali, trop. Je sais pas. À voir ça par contre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a pu voir aussi du coup. Ouais, du coup, on a pu voir quelque chose d'intéressant. Regardez, c'est donc on peut voir donc apparemment si vous appuyez sur V, enfin on peut voir du coup le un peu l'interface. En fait, si vous appuyez sur V, du coup, bah, vous aurez accès donc à des émoticônes. Ça, pour le coup, je trouve ça cool. Je trouve ça vachement cool qu'il y ait des interactions entre les joueurs. Après, bon, je pense qu'il y aura moyen sûrement de couper pour pas que le joueur vous spamme. Hein, parce que si en face on vous spamme quelque chose, ça peut être un peu lourd. Hein. Ça peut être un peu lourd, je sais pas moi qui vous spamme, je sais pas moi celui-ci tout le temps, alors que vous venez de faire un mauvais jet de dés, enfin bref, ça peut être un petit peu chiant. Ah, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir aussi un truc très intéressant là, c'est le bonus time. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que du coup dans le match, en fait, donc il y aura votre temps habituel qui est ici, et en fait vous aurez aussi. Ah non, il est ici, pardon. Le temps ici, ah oui, mais il est représenté ici par une barre, je crois, ouais, c'est ça. Et donc vous aurez donc ce temps-là, donc ça c'est un temps du coup supplémentaire pour réfléchir. Après que ce soit ça que ce soit terminé, je pense que du coup ça va c'est ça qui va se déclencher. Je trouve ça très très intéressant. Ça permet par exemple quand vous avez des gros coups à jouer de bien réfléchir. Et je trouve ça très intéressant, comme ça vous permet quand même d'avoir des temps rapides. Parce que c'est vrai que le truc qui est chiant c'est voilà quoi. Genre par exemple si vous mettez le jeu sur 4 minutes de réflexion, le problème c'est que des fois il y a des joueurs en fait qui vont réfléchir pendant 4 minutes à chaque tour. Et croyez-moi, c'est vraiment très très dur, hein. Surtout si, enfin si, enfin ouais, non, ça peut vraiment être embêtant. Donc là, c'est bien du coup que, moi j'imagine bien par exemple des tours de 2 minutes avec ce petit temps supplémentaire et c'est très très bien. Comme ça, bah, dans un moment très difficile, bah, comme tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez en première mi-temps. Franchement, c'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de joueurs collés les uns les autres et du coup on devait réfléchir à tout et c'était pas si évident en fait. C'était pas si évident. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, donc on peut voir après voilà, les zones et tout. Les zones, ouais, je sais pas trop quoi penser des zones un peu moyens, mais bon, je sais pas, j'aurais peut-être aimé peut-être un peu plus de comment on appelle ça? Que ce soit un peu plus peut-être transparent, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop visuel, ça fait un peu bizarre. Ah d'ailleurs, là, j'ai pas zoomé. Il me semble qu'en zoomant, non, ça change pas grand-chose de toute façon. Puis ils sont vachement embêtants avec ça, je sais pas pourquoi ils veulent mettre la caméra sur le côté alors que de toute façon bah, la plupart des joueurs jouent en fait face parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce qu'en diagonale c'est très dur en fait de bien prévoir les choses. Enfin je trouve que ça demande je pense beaucoup plus de réflexion mentale. C'est de la fatigue pour rien en fait pour moi, c'est de la fatigue pour rien. Hop, on va revenir du coup sur l'article. Alors il disait que du coup quelque chose. Parce que du coup j'ai traduit le truc pour voir un peu ce qu'il disait. Il a dit donc quelque chose qui était. Au début il a dit quelque chose qui était rassurant. Il disait que par exemple, il y avait donc les cinématiques, et du coup, comparé à Blood Bowl 2, ils ont en fait coupé ça. Ils ont. Par exemple, je sais pas si vous vous rappelez de l'animation du vampire qui a une soif de sang. Moi je la trouve mais vraiment chiante, hein. Vraiment, elle dure au moins 15 secondes, je crois. Tout ça pour voir le vampire qui saute sur le joueur et qui lui suce le sang. Je trouve ça trop trop bon. À chaque fois que je tombe contre des vampires, honnêtement, ça m'agace. Hein. Ça m'agace à chaque fois parce que l'animation est beaucoup trop longue. Et même quand vous appuyez sur échappe, malheureusement, vous n'avez pas trop le choix. Et donc, ils ont dit qu'apparemment, que tout ça allait être retravaillé. Du coup, que les animations, elles auraient été plus dynamiques. Mais malheureusement, donc j'étais très rassuré par rapport à ça. Parce que c'était très important, je trouvais, de rajouter du dynamisme et tout. Surtout qu'il y a des fois, pareil, il y avait des animations, par exemple, quand. Il y a des contacts et tout, et ben en fait on voyait même pas le joueur parce qu'il y avait un joueur qui était devant. Enfin, je sais pas, je pense que c'est des choses qui peuvent corriger normalement. Je pense que ce serait très facile de mettre un script. Regardez, par exemple, quand le joueur va frapper lui, il va de mettre la caméra en face en regardant s'il y a personne. Je pense qu'il y a un moyen de faire un système que. Parce que par exemple, eux, ce qu'ils vont faire dans Blood Bowl 2, c'est s'il y a un contact entre les deux, et ben la caméra va se mettre n'importe où, et par exemple, elle va se mettre ici. Du coup, on verra pas le contact parce qu'il y a un orque noir devant. Alors qu'ils devraient tout simplement la mettre dans un endroit où il n'y a personne. Donc ils ont dit ça, donc c'était très rassurant. Et ensuite, il y a eu donc hier la vidéo sur les impériaux. Et malheureusement, bah, ça me fait un peu peur parce que je trouve pas qu'ils ont réglé le problème. Hein. Il y a l'air d'avoir toujours le même problème. Et en plus, c'est sur une vidéo de présentation. Donc c'est assez. Ça, franchement, je suis vachement sceptique, hein, du coup. Vachement sceptique sur ces histoires de caméras. C'est dommage, hein, parce que ça apporte vraiment, je pense, un truc punchy. Je repars, vous faites un bloc, la caméra paf, elle vous fait montrer le bloc et hop, ça revient tout de suite. Alors que là, c'est bah, avec une belle caméra. Alors que là, bah, des fois, c'était beaucoup trop long avec des ralentis qui servaient à rien. Surtout quand c'est des actions, quand on s'en fiche un peu, quoi. Enfin bref, ça c'était pour la petite chose.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, ils ont aussi parlé de. Ils ont aussi parlé de l'IA. Ils disaient que du coup, voilà, que l'IA donc serait retravaillée et qu'elle serait donc un peu plus agressive et tout. Mais il faut pas se mentir, malheureusement, l'IA. En fait, si vous êtes un joueur expérimenté, l'IA, vous allez la détruire. Hein. Vous allez vraiment. Ce sera pas un challenge. L'IA sera juste que pour les débutants qui ne connaissent pas le jeu. Ensuite, du moment que vous connaissez le jeu, bah, je vous donne un exemple simple. Hein. Et par exemple, si l'IA vous fait ça là. Si vous êtes un joueur expérimenté et que là c'est le tour 1, d'ailleurs est-ce que c'est le tour 1? C'est le tour 1. Donc si l'IA vous fait ça, vous savez déjà qu'il y a un problème. Voilà, pour si vous êtes un joueur expérimenté, là vous comprenez qu'il y a déjà un problème. Pourquoi? Bah regardez, il y a, normalement vous êtes censé mettre que 3 joueurs, donc ça veut dire offrir que vous offrez du coup que 3 blocages. Et regardez, là il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 5 blocages, donc potentiellement 5 joueurs qui vont tomber à terre. Et du coup, avoir des jets de blocage, surtout que c'est du 8+. Enfin, 9+, pardon. 9+. C'est vrai que dans Blue Ball 3, on dit 9+ maintenant. C'est du 8 d'armure, mais du 9+. Donc là, bon, je sais que c'est un joueur contre un joueur. On voit que c'est comment ça s'appelle? Ben, je pense. Oui, je pense que ça, c'est un développeur. Et ça, c'est le gars qui a été invité. Donc voilà, l'IA, donc je pense que ça sera pareil. Hein. Elle sera peut-être un peu mieux, ça c'est vrai par contre. Parce que c'est vrai que par exemple, des fois l'IA, quand elle arrive au 7ème tour, eh ben, elle ne va pas mettre quelqu'un à portée. Alors qu'elle a le ballon, elle va pas mettre quelqu'un à portée. Et c'est vrai que c'est un peu absurde, alors que n'importe quel joueur bah, ferait au moins l'effort de mettre son joueur à portée. Hein. Tant pis, hein, quitte à faire ce qu'on peut, mais voilà. Donc voilà, donc pour les IA, je pense que ça sera pareil, hein, malheureusement. Je pense que le niveau sera peut-être légèrement, peut-être de 10 à 15%, peut-être mieux. Mais non, si vous êtes un joueur expérimenté, non, c'est. Ce n'est pas rentable. Ça sera pas rentable du tout. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Vous avez vu, ouais, c'est un peu mieux. Alors, je sais pas si vous vous rappelez sur la première vidéo, j'avais parlé en fait que c'était un peu trop consoleux et tout. Et là, regardez, c'est un peu mieux du coup. Il y a apparemment, vous pouvez directement faire sur. Par contre, ça fait un peu peur. Hein. J'ai quand même un peu peur que je se trompe. Vous imaginez, vous vous trompez hein, entre le blitz et puis la passe. Bah, je sais pas. À voir, mais ça fait un petit peu peur quand même. Mais c'est mieux. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour gérer. Hein. C'est ce qu'on veut. Bah, à la limite d'ailleurs, ouais. Ou non, vous choisissez. Non, peut-être de pas choisir le raccourci, mais peut-être plutôt d'aller chercher avec la souris. Je pense que ça sera peut-être mieux. Mais c'est bien. Je trouve ça déjà beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que le truc avec le rond, c'était, je sais pas très lisible. Et en plus, vous avez en fait besoin d'avoir de la visibilité, quoi qu'il arrive. Tu vois. Genre, par exemple, s'il y a un gros rond et puis que vous savez pas trop encore si vous voulez faire la passe, le blitz ou quoi, bah, c'est mieux d'avoir un beau visuel. On peut voir aussi du coup les cartes. Ceci, c'est un truc que j'attendais. Franchement, moi personnellement, j'aimerais vraiment qu'ils poussent les choses vraiment loin. J'aimerais trop qu'ils fassent par exemple des cartes avec des trucs en or sur les côtés. Je sais pas, tu vois, un truc de collection, je sais pas, n'importe quoi. Mais ils pourraient faire justement des trucs très faciles avec de l'argent à se faire, quoi. Enfin, après, là, je suis dans l'idée, oui, qu'il y a un côté aussi compensation commerciale, mais je pense qu'ils devraient faire ce genre de choses, ça serait très 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 intéressant. Du coup, j'imagine bien que la carte là, on va être niveau 1, donc j'imagine qu'avec l'évolution, la carte doit être sûrement être mieux, hein. Je pense qu'à mon avis. Les bords seraient sûrement un peu plus tranquilles, parce que là on voit que c'est très sobre. Donc, à mon avis, il y a des très grandes chances que la carte soit beaucoup plus belle, plus vous montez. Alors, bien sûr, hein, pour l'histoire de l'IA et tout, hein, après ça reste de la spéculation. Hein, surtout que bah, là, en plus, je prends un risque, hein, je prends un risque parce qu'en fait, la bêta commence dans 2 jours. Hein. Dans 2 jours, elle va commencer dans 2 jours, donc du coup, je prends un risque en disant tout ça. Ça se trouve, peut-être que je dis totalement des bêtises, hein, ça sera peut-être pas ça, mais. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se mentir à mon avis. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Ça par exemple, c'est intéressant. Je pense que c'est peut-être les cartes. Vous savez, maintenant, vous aurez. Vous pourrez. Attendez, non. Ah, je sais pas sûr. J'ai un doute là. Je sais pas si ça rapporte. Mais je sais qu'il y a des cartes du coup dans le jeu. Et sur le jeu de plateau, du coup, il y a peut-être moyen que ce soit peut-être ça. Je ne sais pas trop. Ce serait intéressant qu'ils le mettent en place. Qu'est-ce qu'il y a peut-être ça en même temps? L'image est tellement dégueulasse. Franchement, ils nous ont donné une image dégueulasse. Ah oui, il y a aussi autre chose. Ça, s'il faut que je parle de ça. Ça, bon, je pense que c'est les paramètres. Ça, je ne sais. Qu'est-ce que c'est que ce logo? Bah écoutez, je n'ai aucune idée, je sais pas. Ça, c'est donc, à mon avis, ça sera pour voir si bah, le temps. Ça se trouve, c'est peut-être pour les engagements, je sais pas. Non, pourtant, c'est marqué ici. Je sais pas. En tout cas, c'est bien là que tout est affiché, qu'on peut se voir du coup.
Ouais, non, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Apparemment, on peut même aussi communiquer en jeu, ça c'est bien aussi. Ah non, mais non, c'est le chat, ouais. Je pense que ça doit être le chat de base, à mon avis. J'ai cru que c'était genre le chat qu'on pouvait communiquer avec d'autres joueurs en attendant, ça aurait pu être sympa aussi. Alors, à ce qui paraît, il y aura aussi ça, il y aura aussi donc des animations de l'entraîneur. Alors, ça aussi, apparemment, et c'est ce qu'ils disent aussi dans l'article, apparemment, on aurait le choix des entraîneurs. C'est intéressant, il y aurait apparemment plusieurs choix, vous pourrez donc choisir des entraîneurs et il y aurait du coup des petites interactions comme ça. C'est cool, j'aime bien les petits surplus comme ça. C'est vachement fun. Bah voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Y a pas grand chose d'autre à dire. C'est aussi, hein, c'est bien aussi qu'ils ont mis le fin de tour en haut. Je pense que c'est une bonne idée, je pense. Parce que le problème, je sais pas si vous vous rappelez dans Blood Bowl 2, je crois que c'était ça. Au début, ils avaient mis en fait le fin de tour, mais en plein milieu, ici. C'était du coup très compliqué parce que plein de joueurs du coup se plaignaient et disaient oui, mais à chaque fois je veux sélectionner un joueur et je mets fin de tour sans le faire exprès. Du coup, il l'avait décalé en bas à droite et c'était clairement mieux. C'était clairement mieux. Il y avait du coup très rarement des misclics. Bon, ça arrivait, hein. Mais c'était très 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 rare. Et qu'ils le mettent en haut, je pense que ouais, ça va être bien. Franchement, je vois pas trop comment on peut faire pour aller chercher un fin de tour en haut sans le faire exprès. Je pense que c'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. Bon, bah voilà, je crois que j'ai peut-être oublié des choses, mais je suis pas sûr. Sur donc le Blood Bowl 3, j'ai peut-être oublié quelque chose d'autre dans l'article. Bon, on verra bien, de toute façon, la bêta arrive dans pas longtemps, donc on va pouvoir se faire plaisir, hein, on pourra du coup tester ça. Bah, vous me direz du coup dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai que là, j'ai pu voir quelques personnes là dans la Ligue française, là où je suis, quelques-uns qui parlaient. Il y en avait quand même qui disaient qu'ils trouvaient pas ça très très beau. Bon, là après, faut pas se fier à l'image, hein. L'image est un peu dégueulasse. Mais normalement, ça c'est beaucoup plus beau. On avait peur que c'était quand même beaucoup plus beau. Moi, ça va pour l'instant, je suis pas trop gêné avec ça. C'est vrai qu'il y a un côté. Normalement, c'est vrai qu'il y a un côté très fun dans Blood Bowl. Et c'est vrai que là, on dirait qu'il est un petit peu plus sérieux au niveau des visuels. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça peut peut-être faire un peu moins cartoonesque. Du coup, peut-être un peu moins de fun. Je sais pas. À voir un peu sur ça. Ah bon. Moi, vous me direz du coup bah, dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Hein, j'avoue que. Bah voilà, bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.